Je vous invite, si certains d'entre vous, Ken, ou dans des jurys, parfois on a tendance qu'ils camblent ou des résultats, donc n'hésitez pas, quel le projet Ajib comme Barsha, de le surnoter, et quel projet Moussa Ajib comme Barsha, Misel Stayhou, pour ça va vous aider, vous allez voir, sinon je crois comme on n'apportait pas. Vous avez Hajat Alam Tamaabd, fi jury, qui est quelque part ici, ou Allah Ouzir Talim Ali. On a été dans un jury ensemble et vraiment ça marche. On a tendance à noter en moyenne, on a haja, donc voilà, c'est une petite astuce. Et on va commencer. Pitch. Tlethat kaik, jaras, yantahi. Tablamdoulum jaras à la deuxième minute ou jaras à la troisième. Zarba loulania, fazoust kaik. Voilà. Ou zarba l'khrania, nkosu. Donc, li habbi wassal ma'loumtu. Kosu le micro, carrément. D'ailleurs, je m'adresse à la régie. Dès que tu sais, jaras thénia, jaras loul. Manet à l'aukad l'ktrika, jaras thénia, plus de micro, tout va la présentation. Donc, nkoulkoum bonne chance à toute l'équipe. Nkoulkoum, yzoukoum très concis, ou yzoukoum très rapidement, vous exposer le maximum d'informations. Bishnejmo tokrao, le public, ou le jury. D'ailleurs, on a tendance maintenant à appeler ça pitch, mais il ne faut pas oublier que Khatadi Maolina Kulcha is small is beautiful, Habul Kastrofi, mais là-bas ça s'appelle elevator pitch. Manata, enti, fi, bon, la manèche, balasat, ali, abarsa, mais wind khalkat, la notion avait, ils ont des gracets, ils ont des yeux, kbar. Et donc, subhanallah, t'najum, koula blouretna fi ascenseur, tampesh fi charseya, li t'najum, t'koun a un impact positif à le projet tech, un financier, Abdi Maoul ou Abdi Sahalek, Halek Biben. Donc, vous avez le temps, l'imtou mahabtin, mkshbisht d'ayar le waktu, de lui présenter brièvement ou clairement, chnon li t'hab ta'amel. C'est ça la base du pitch, c'est ça la base de l'elevator pitch qu'on appelle aujourd'hui pitch. Donc, 3 minutes, Saddakhni, ils sont gentils avec vous. Un elevator pitch dans des normes internationales, c'est 120 secondes, c'est 120 mots et c'est 2 minutes à peu près donc, pour présenter. Donc, allez-y, faites-le dans cet esprit. Comme la bête du Kodem, qu'on pourra changer. Il y a des gens qui pourront impacter le projet MTA, comme je vois des investisseurs dans la salle, etc. Donc, faites-le pour ça, faites-le pour les convaincre. Soyez clair, droit au but, direct, concis et bonne chance, les comécoles. Il y a un programme très intéressant. Les investisseurs vont être présents, les startups de renommée qui ont investi, Michikourou Moujoudin. Aujourd'hui, je vais vous parler de 15 expériences de start-upers, d'entrepreneurs en Tunis, qui ont réussi, qui ont aimé vous parler avec vous et partagent avec vous leur expérience. Donc, le programme de l'Arbamtanachia, il est très bien chargé. Et je me rappelle qu'on doit avancer. Merci, Skander Haddar. On commence. J'appelle les premiers candidats. Brabi, les comme Hadrin, ça va s'enchaîner, on va y aller directement. De préférence, Mandkoum, j'ai des présentations. On m'a demandé, j'ai dit, Missel, je suis une femme à des présentations, mais je ne sais pas si c'est Haja qui va vous aider. À moins que vraiment c'est bref, 2-3 images pour exposer plus clairement. Haja, Tabou, vous avez du mal, donc essayez plutôt de jouer sur le pitch. Voilà. J'appelle pour commencer Lebiba, Ons, Oba, Wided, Zaidi. De l'Enit. On peut les applaudir, ça va les encourager. Bon courage. Wahdek. Wahdi. Rabbi Mak. 3 minutes. Ça commence. Go. Bonjour, chère audience, honorable jury. Je me présente, je suis Ons Oba, élève ingénieur à l'Enit. Je fais du génie industriel. Je suis ici pour présenter mon projet à l'occasion de compétitions liées à University Challenge. Donc, je vous présente mon projet Lebiba. Donc, je vous présente mon équipe de travail. On a travaillé sur Lebiba il y a 2 ans et on a remporté la compétition nationale de Inges l'été dernier. Donc, on constate que les déchets en Tunisie présentent 2,5 millions de tonnes de déchets solides municipaux par an. Et le pourcentage qui est flagrant et important, c'est les 68% de déchets organiques. Donc, ça nous fait donc penser à notre projet, c'est ce pourcentage de 68%. Donc, les déchets organiques, c'est une vraie problématique environnementale. Il y a ceux qui ont pensé en compostage, au tri sélectif, au recyclage. Nous, on a pensé différemment. On a constaté que le trop-plein de déchets pourrait être une opportunité pour créer de la valeur. Donc, et si une poubelle allait sauver la Tunisie? Donc, c'est Lebiba, c'est l'héritière de Labib, c'est le sympathique fennec symbole de la production de l'environnement. Donc, on a voulu jouer sur la mémoire collective du Tunisien. Lebiba pourrait sauver la Tunisie.
C'est une stratégie de marketing derrière pour jouer sur votre mémoire. Mais je vous invite à comprendre le système technique de cette poubelle. Donc c'est une poubelle qui est capable de convertir les déchets organiques en biogaz en faisant recours à la méthanisation des produits organiques. Donc, 1 kg de déchets organiques, il peut produire une heure de cuisson. Donc, nous, on a pensé que c'est un système qui doit comporter plusieurs critères afin de produire du biogaz en respectant l'environnement et en respectant tout ce qui est sécurité. Donc, ce système présente des filtres pour conserver le gaz et éliminer tout ce qui peut nuire à l'environnement. Notre cible, c'est ou bien les hôtels ou bien les restaurants. Notre système comprend donc une conception technique qui fait que chaque client pourrait donc travailler sur son besoin. On a fait des études de cas. Chaque restaurant en Tunisie peut produire 100 repas, 700 kg par mois et donc 700 heures de cuisson. On peut fournir à ce restaurant donc pour lui permettre de protéger l'environnement et aussi pour économiser l'énergie. Donc, notre projet, il travaille donc sur deux aspects socio-économiques importants. Une, c'est de protéger l'environnement et deux, c'est pour conserver l'énergie. Donc, ici, c'est pour vous dire que le travail peut être rentable à partir de la troisième année. Donc, pour conserver l'énergie, on voit que le dépense en biogaz pourrait être une solution et une vraie alternative aujourd'hui. Puisqu'on a travaillé donc avec des cibles très étudiées, on parle de restaurants, d'hôtels et d'internats, et aussi des foyers universitaires, le déchet pourrait être une opportunité à tous de cette cible pour leur permettre donc de produire de l'énergie en conservant